Le Burkina Faso a convoqué le chargé des affaires au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Burkina Faso pour venir lui poser des questions et pour lui donner un message à envoyer en Côte d'Ivoire. Pour lui dire, votre pays, le président Ouattara, Dramane Ouattara, veut déstabiliser le Burkina Faso. Il faut lui demander pourquoi il veut détruire notre pays. Ça, c'est juste après, ça, c'est le lendemain de la déclaration du ministre de la Sécurité de Burkina Faso. Je pense que c'est ça, non? Si je ne m'abuse. Le ministre qui a fait la déclaration sur la tentative de déstabilisation, la dernière tentative de déstabilisation, là. Mettez-moi son nom même, mettez-moi son nom et puis sa fonction, s'il vous plaît. Alors, quand ils ont appelé, le ministre des Affaires étrangères l'a appelé pour lui poser des questions et pour lui donner un message, pour demander, pour lui de demander à la Côte d'Ivoire. Écoutez très bien, on lui a demandé de demander à la Côte d'Ivoire pourquoi les tentatives de déstabilisation viennent toujours de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso. Voilà, Mamadou Sana, merci. Vous comprenez ça? Et donc, quand ils ont envoyé le message, eh bien, Dramane Ouattara n'a pas répondu. Aucun ministre de Dramane n'a répondu. Donc, le Burkina Faso a vu ça en foutaise. Le Burkina Faso a vu ça en foutaise. C'est pourquoi vous avez vu comment on appelle ça, les centres d'enrôlement qui devraient être ouverts au Burkina Faso, ils ont refusé de les ouvrir. Burkina, Mali, Niger. Ils ont refusé de les ouvrir parce que selon eux, oh, il y a ceci, il y a cela, les gens n'auront pas l'aptitude pour travailler. Peut-être que, voilà, ils pourront être plus possibles, je ne sais pas quoi. Bon, ils ont refusé. Mais le Burkina Faso a vu tout ça comme foutaise. Le Burkina Faso a vu tout ça comme foutaise. Alors le Burkina Faso a pris la décision, chers camarades d'Afrique, de rappeler son corps diplomatique de la Côte d'Ivoire pour rentrer. Donc, ça veut dire que on est arrivé, on a franchi une autre étape dans la belligérance entre le Burkina, bon, je ne dirais pas la belligérance, dans le conflit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Mais ce que vous ne savez pas encore, ce que vous ne savez pas encore, c'est que quand le président francophone d'Afrique sont arrivés à Paris ici pour la francophonie, là, pour le sommet de la francophonie, où Paul Biya était absent, Faure Gnassingbé n'est pas venu. Comment il s'appelle? Diomaye Faye n'est pas venu. Donc, il y a eu un huis clos. Il y a eu un huis clos. Pour la petite histoire d'ailleurs, pour le huis clos au Palais Royal, dans le 8e arrondissement là, à l'Élysée, eh bien, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu monter l'escalier. Il n'a pas pu monter les escaliers. Parce qu'il n'arrive plus à marcher. Vous savez, il marche comme ça. Il marche comme ça. Oui, il marche comme ça. Mais son derrière, là, c'est gâté. Depuis les petits, ils sont derrière, ils donnent. Il a vieilli. Mais il y a les conséquences. Donc, il ne peut pas monter l'escalier. Donc, ils sont obligés de passer par les ascenseurs, par l'ascenseur, premier étage. Ascenseur. Tout le monde a pris escalier sauf lui. Donc, dans ce huis clos, on a eu vent d'un certain nombre de choses. Eh bien, Dramane Ouattara a été mandaté encore par Macron. Et cette fois, il a promis à Macron de réussir le coup. La déstabilisation de Burkina Faso, là. Il a promis à Macron de réussir. Et donc, de nouveaux moyens ont été mis à sa disposition. D'ailleurs, même, le chef d'état-major, le général chargé, je n'ai pas dit n'importe quoi, chers camarades pour l'Afrique, le général chargé de l'Afrique pour la France, je ne pourrais pas vous dire n'importe quoi, hein, chers camarades pour l'Afrique. Non, attends. Je ne pourrais pas vous dire. Putain.
On n'a pas voulu n'importe quoi. On va aller Québec, Québec. Vous savez, bon, on connaît où il est là. Il est si. Il a dit, non, à Témara. Vous allez voir. Le commandant français pour l'Afrique. Le nouveau commandant français pour l'Afrique. Voilà. Est parti voir le chef d'état-major Lassina Doumbia. Le voici. Ça, c'est aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ils sont allés schématiser le nouveau plan de déstabilisation de l'AES par le Burkina Faso. Est-ce que vous me suivez? Draman a reçu ordre de détruire le Burkina Faso. En contrepartie, sa candidature serait acceptée. Je reprends la partie pour que vous puissiez comprendre. Au sommet de la francophonie, il y a eu un huis clos. Dans le huis clos, pour vous dire que j'avais mes yeux là-bas, Draman n'a pas pu prendre les escaliers. Il n'a pas pu monter dans les escaliers. Alors que c'était au premier étage. Il n'a pas pu monter dans les escaliers. Ce huis clos-là, même premier ministre ne participe pas. Même femme de président ne participe pas. Même être décan de président ne participe pas. Le président, il va seul. Même Macron lui-même. Ses aides de camp ne participent. Je ne sais pas s'il a des trucs à dedans, mais personne n'est monté. À part les présidents qui sont montés. Donc, Draman devrait monter seul. On devrait le prendre pour. On ne peut pas. Donc, comme personne n'a accès, donc il est obligé de passer par l'ascenseur pour monter. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est dans ce huis clos qu'il a été demandé à Draman Ouattara encore. C'est pourquoi Fon Yassine n'est pas venu, parce qu'il sait qu'il allait prendre part à ce huis clos. Vous comprenez ça? Donc, Chouard n'est pas venu. Vous comprenez ça? Jomai Fay n'est pas venu. Vous comprenez ça? Donc, il est monté. Debi Kaka était là. Debi Kaka était dans le huis clos. Mais je pense que Debi Kaka peut toucher mot à l'AES. Debi Kaka était là. Kagame était là. Vous avez vu les présidents qui étaient là? Et quoi? Oliki était là. Vous comprenez? Donc, il a été demandé à Draman Ouattara de faire tout son possible pour déstabiliser le Burkina Faso. En contrepartie, ils allaient se passer de Tiam pour imposer Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, fort de tout ça, le capitaine Ibrahim Traoré, toutes ces révélations, le capitaine Ibrahim Traoré a pris la décision de passer à la vitesse supérieure. Et comme Draman sait que il va récidiver. Comme il sait qu'il va récidiver. Ouais, tu sais qu'il était là. Mais tu sais qu'il y a eu une brouillante, tu sais que depuis Macron, après ils ont rattrapé. Il va récidiver. Et donc, Ibrahim Traoré passe à la vitesse supérieure. Comme Draman dit qu'il va récidiver, donc c'est pourquoi il n'a pas accepté que les agents d'enrôlement y aillent. Parce qu'ils veulent créer une rébellion au Burkina Faso. Comme ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, là. Est-ce qu'ils veulent faire au Burkina Faso? Comme ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda, là, ce qu'ils vont au Burkina Faso. Et Paul Kagame, qui était le patron du FPR d'alors, à partir du Burundi pour attaquer le Rwanda, il se propose pour être le coach de Draman Ouattara pour déstabiliser l'AES à travers le Burkina Faso. Chers camarades, est-ce que vous comprenez ça? Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso, c'est que s'il s'amuse, mais il sera très rapidement déstabilisé par le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, par Draman Ouattara. C'est pourquoi il a pris les choses en main. Mais ce n'est pas sans informer Tchiani et puis Assimi. Ce n'est pas sans informer Tchiani et puis Assimi. Parce que les trois là, ils marchent ensemble. Au niveau diplomatique, dans l'AES, ils sont obligés de toucher mot, de prendre les accords des uns des autres avant d'agir. De toute façon, elles ont rappelé là. S'ils ont fait un communiqué officiel tout de suite, c'est-à-dire que pour parler, pour essayer de faire un tapage médiatique, vous allez voir que les autres vont suivre. Et il suffit juste de leur demander de le faire. Mais en tout cas, ils vont étape par étape. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est pourquoi souvent, quand moi je regarde les gars de PDCI, je ris. Quand je regarde les gars de PDCI, je ris. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je ris? Parce qu'elles ne savent pas que Macron là, façon il a lâché, Draman, entre griffes, Draman pour Thiam, il peut lâcher le même Thiam pour Draman. C'est pourquoi, aujourd'hui, Thiam a pris Dra. Il sait que Draman Ouattara peut faire pression sur Macron afin que Macron change de position. C'est pourquoi il est allé à la rencontre de sa bien-aimée, je dirais, l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire. Là, voici ici, voici Thiam, voici Blé Goudé ici. Il y avait même Vagondo, voilà. Voici Vagondo là, Vagondo qui a représenté le Premier ministre. Vous comprenez? Ils sont allés se voir pour parler des élections de 2025. Nous, on n'est pas parti là-bas. PPAC n'est pas parti là-bas. Vous comprenez? Donc, Thiam, aujourd'hui, il est en train de se coincer plutôt aux vers les Américains. Parce qu'il sent que Macron peut le lâcher. Bah, Macron, sa position n'est pas claire. Mais ce qu'il oublie, c'est que la position même des Américains, là, n'est pas claire. Les Kamala Harris, là, la femme, là, l'ambassadrice des États-Unis, là, en Côte d'Ivoire, elle a son mari qui est, comment on appelle ça, elle a son mari qui est dans le cabinet de Kamala Harris. Vous comprenez ça? Elle a son mari qui est dans le cabinet de Kamala Harris. Donc, c'est ça qui la rend plus fort, plus forte. Et donc, sa puissance, sa force en Côte d'Ivoire, elle fait réjaillir sur Thiam. Vous comprenez ça? Elle couvre Thiam de sa puissance en Côte d'Ivoire. Pourquoi Thiam se rapproche d'elle, il se met sous son ombre. Donc, Blé Goudé lui suit Thiam dans cette lancée. Vous comprenez? Mais les démocrates ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner en novembre, le 5 novembre. Ils ne vont pas gagner, les démocrates. C'est Trump qui va gagner. Et si Trump gagne, tu vas où? Je ne sais pas. Donc, nous, c'est pourquoi nous, on sait tout ça. Et nous, on compte que sur nous-mêmes. Nous, on compte que sur notre force du nombre. Parce que nous avons la force du nombre. C'est pourquoi nous, on va se faire enrôler. C'est pourquoi nous, on court vers les listes électorales. On va aller se faire enrôler. C'est pourquoi nous, on s'en va à la CPI. C'est pourquoi nous, on s'en va à Bruxelles le 18. Vous êtes tous invités. Gare du Nord, 6h du matin, vers Burger King. Je répète, Gare du Nord, vers 6h, 7h, regardez, trouvez là, Gare du Nord. Burger King, on s'en va à Bruxelles, après on s'en va à la CPI, même jour là, et puis on revient. Vous avez compris? C'est ça qui est la vérité. C'est pourquoi nous on se bat. Vous comprenez? C'est pourquoi nous on se bat. Donc nous on n'est pas là pour y aller les gens. On est là pour se battre, véritablement. Et c'est le combat qui va nous permettre de gagner. Vous comprenez ça? Vous comprenez? C'est ça. Donc, chers camarades. Donc, Draman, il est dans sa dictature. Il est dans sa dictature. Il a même accusé Dosso, Charles Dosso Rodel, le secrétaire général adjoint du PPACI chargé de la société civile. Il dit que Dosso veut faire coup d'état sur lui. Dosso veut faire coup d'état sur lui. Quelqu'un qui n'a jamais pris âme. Parce que Dosso veut manifester seulement. Non, pas Dosso même pas manifester. Parce que Dosso soutient la société civile. Il va attraper Dosso. Il a attrapé Dosso et dit Dosso veut faire coup d'état sur lui. Il dit, mais un jour, même couche de Draman Ouattara qui met des rêves là, il va accuser couche là de tentative coup d'état un jour. Même sa pine qu'il prend pour pisser là. Il va accuser sa pine de tentative au coup d'état un jour. Ça, c'est moi qui vous le dis. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'heure est grave. Je l'emmène. Comme la paix d'Afrique, on apprend que Paul Biya est décédé. On apprend. Je vous avais dit la dernière fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On apprend que Paul Biya est décédé. Je vais vous mettre ici une vidéo
qui confirme cela. Mais on va mener nos analyses, chers camarades. Écoutez ici. Écoutez ces vidéos, c'est en anglais, hein? Mais tendez l'oreille, vous allez comprendre un peu. And apprehension hangs over Cameroon as ABS sources in Switzerland, France, and Yaoundé confirmed that President Paul Biya, Cameroon's long-serving leader, has died. Biya left the country 1 month ago to attend the China-Africa summit and has not returned home. He has also not been seen in public ever since that summit. The 91-year-old Cameroon president was expected to return directly to Cameroon after the China-Africa summit. However, sources within the government and the presidency told ABS that his health took a sudden and unexpected turn. Instead of heading home, Biya digressed to Switzerland to meet his doctors. After being admitted for 2 weeks in the Switzerland hospital, his deteriorating health and the inability of Swiss doctors to handle the situation transferred him to Percy Military Teaching Hospital in Paris, France, where sources have now... C'est bon. C'est bon. Vous avez entendu? C'est ce média-là qui en a parlé. ABS News qui dit que Paul Biya est mort. Il est mort en Europe. Frère, Paul Biya était attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était annoncé là-bas. Il devrait donner un discours. Vous comprenez? Il n'est pas allé là-bas. Il était attendu ici, à la francophonie. Il n'est pas venu. Frère, bon, ce gars-là, ça fait depuis combien de jours? On ne sait plus où il est. Pas bien, on ne sait plus où. On ne voit plus ses traces. C'est vous comprenez ça. Donc là, les Camerounais, eh bien, sont dans la tourmente. Ils ne savent plus à quel saint se vouer. Ils ne savent plus où donner la tête. Est-ce que ce que la femme là dit, est-ce que c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas d'autres médias qui en parlent. Et d'ailleurs, même le gouvernement camerounais a essayé de démentir. Le gouvernement camerounais a essayé de démentir. Mais. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Donc, actuellement, on est mélangé. On est mélangé. Mais depuis où il est parti à, comment dirais-je, à la commémoration de l'anniversaire du débarquement de province là, depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, eh bien, si ça fait 40 jours que Paul Biya ne s'est pas affiché, ça veut dire qu'il y a vacance de pouvoir au Cameroun. Alors, s'il y a vacance de pouvoir au Cameroun, bien entendu, chers camarades d'Afrique, il y aura des mouvements de rue parce que le pouvoir se retrouvera désormais dans les rues. Et les militaires vont prendre leurs choses. Et le pays va aller encore dans un autre chaos. C'est ça qui fait le problème des gens là. Vous comprenez? Donc, chers camarades d'Afrique, nous avons appris aussi qu'au Mali, la même malienne a repoussé des attaques au niveau de Bair et de Tombouctou, je pense bien. Des attaques terroristes qui sont arrivées de là. Et ils sont en train de progresser vers Tenzawaten. Là où il y a eu les violents combats au mois de juillet là. Eh bien, je crois que c'était juillet ou septembre là. Où il y a eu les violents combats là. Ouais, c'était juillet, je pense. Eh bien, l'armée est arrivée là-bas. Il y avait des corps qui étaient encore là. Ils ont ramassé les corps. Et puis, ces corps-là seront inhumés dans la dignité et dans le respect. Voilà. Donc, j'ai carapé d'Afrique. Vous sentez un peu la fatigue sur mon visage là. Il est 1h19 à Paris. On va se laisser. On va se prendre demain. Voilà. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme.
Vive tous les présidents panafricains. Babou, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.